On est maintenant rendu à Los Angeles. On a dormi ici, tout près de l'aéroport, mais on ne s'est pas encore rendu au quai à Santa Monica. On vous laisse garder ça pour aujourd'hui. Par contre, petit pépin avec la grosse brune. On fait faire le changement d'huile, rotation des pneus, mais les plaques que j'avais fait retirer un peu plus tôt sur la route pour ajuster le différentiel, l'angle du différentiel, parce que j'avais une vibration. Mais ça n'a pas été une bonne idée parce que l'angle du différentiel ayant été changé, bien, ça a brisé le seal de la transmission, en fait, ce qui fait que là, elle perd de l'huile. Elle s'est pratiquement toute vidée d'huile. Donc là, il faut remplacer le seal, remettre ça en place. Pendant que j'attends que la grosse brune soit prête, bien, j'admire ce qu'il y a dans le garage. Civic de la fin des années 90, peut-être une 2000. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là. Une base de moteur d'Integra avec une tête de moteur de Civic SI. Ça, c'est une chose. Mais turbo-compression, intercooler, ça travaille fort cette machine-là. Et le propriétaire me dit que c'est 495 chevaux aux roues avec de l'essence 91 d'octane, ce qui est évident, là. Mais ça doit opérer, ça. J'irais rouler ça, moi. Sauf qu'elle est arrivée ici par remorque parce qu'elle ne marche plus. C'est weird parce qu'on voit pas le bois des deux côtés. Il y a quelque chose qui le camoufle en dedans. La vidange d'huile est effectuée. On a fait la rotation des pneus. On a surtout fait le balancement aussi parce que c'est sans doute la raison principale pour laquelle elle vibrait comme ça. On est certain que là, la voiture est en bonne condition. On rajoute de l'huile à transmission automatique parce qu'on en a perdu un petit peu. Fait qu'on devrait être bon pour retourner à la maison sans trop de soucis. Mais avant toute chose, évidemment, on s'en va au pier à la fin de la route 66. Bon, ben là, c'est fait. Je suis presque rendu, en fait, au bout de la route 66 sur Santa Monica Boulevard. La voiture roule bien, les problèmes mécaniques sont réglés. Il fait très chaud, il y a un peu de trafic, mais on est sur le point d'arriver. Alors, on va stationner la grosse brune et on va finalement aller marcher sur le quai au bout de la route 66 en quelques minutes. C'est réglé, c'est la fin de la route 66 officielle, Dan. Merci à Daniel parce qu'évidemment, il nous a suivis partout là-dedans. Mais là, on est sur le quai à Santa Monica. Il y a du monde, c'est effrayant. J'ai jamais vu autant de gens ici parce que je suis déjà venu ici dans le passé sans faire la route. C'est plein de restaurants, de magasins de souvenirs. On va manger une barbe à papa, évidemment. On va profiter de l'endroit. D'ailleurs, on va rester ici quelques jours. Mais l'aventure n'est pas terminée parce qu'il faut revenir. Ouais, c'est ça. Toujours agréable de rouler sur le Pacific Coast Highway, de regarder les palmiers. La route est belle, il y a des belles voitures, tout est propre. C'est la vie californienne, la California One. Pacific Coast Highway. Moi, je me promènerais là-dessus, aller-retour à tous les jours, juste pour vivre le moment. Ben là, c'est ce que je fais, là. Il fait pas trop chaud aujourd'hui, alors c'est parfait. Je suis présentement en train de rouler à Mission Bay Park avec ma voiture. Ça, c'est un rêve que je réalise aujourd'hui. Je l'ai fait à quelques reprises, en fait, avec différentes voitures de presse parce que lors de certains lancements automobiles, on était venu ici. C'est comme ça que je l'ai découvert, d'ailleurs, cet endroit-là, lors du lancement de la Fiat 500 en 2011, lors du lancement de la Mazda MX-5 récemment. On était venu se promener ici, mais là, je le fais avec mon auto. Et ce que j'aime de cet endroit-là, bien, t'es en pleine nature, évidemment. Et il y a des gens qui viennent ici pour faire du jogging, du vélo, du kitesurfing. Aujourd'hui, il y en a beaucoup parce qu'ils vendent beaucoup. Le sable est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent camper, qui viennent manger des lunchs, qui viennent juste relaxer. C'est le but de l'endroit.
mais il y en a aussi qui viennent se promener avec leur voiture pour admirer l'endroit, la nature, la mer, évidemment, parce qu'on est sur le bord de l'océan Pacifique. Alors, c'est ça le bonheur de Mission Bay. Et j'en profite aujourd'hui. Alors, c'est génial. Et je le fais avec ma grosse brune en plus. Ah, ouais. Un beau feu d'avant. On va arrêter. I can like it.